Hello, back. Hello de nouveau Valentin. Ça va, la connexion marche bien? Moi je t'entends parfaitement, tu m'entends bien? Ouais, très bien. Écoute, je t'invite du coup à partager ton écran. Bof, ben nickel, hein. Je te propose qu'on attende quelques minutes pour démarrer. Où est-ce que tu vois le nombre de personnes? Il n'y a que moi qui les vois, je pense. Ok. Donc là, tu vois, on a déjà plusieurs participants. Donc, c'est chouette, c'est chouette. Vous avez déjà présenté tout ça, Apples, en live? Ouais, je l'ai présenté sur Product Crew. Ok. Et sinon, en fait, je l'ai présenté quand même beaucoup de fois en interne. J'imagine. J'ai dû Faut faire évangéliser. Ah, j'ai dû faire. Mais ouais, même les phases intermédiaires, j'ai dû faire une vingtaine de présentations. Et c'était pas encore ces slides-là. Ça s'est un peu évolué. Il est sympa, en plus le design, beaucoup apprécié. Je trouve ça très sympa. Ah bah, ça, c'est ma copine Simple mais qui l'a efficace. fait, je suis désolé. Ah, bah, tu peux lui dire, franchement, j'ai bien aimé. Ok, on va attendre une petite minute. Petite minute ou deux. Donc là, vous allez en faire même sur le mois d'août. Non, non, on arrête sur la période d'août. Il y a Ok. quand même beaucoup moins de monde. T'es le dernier de la Ok. saison avant la rentrée. Mais on a déjà un beau programme pour la rentrée. Ah ouais, sans indiscrétion. Enfin, vous pouvez dire ou pas? Bah après, c'est pas validé. Mais tu vois, on en discutait. On discutait avec Vincent Urbouk, tu vois, de Pernod Ricard. J'ai déjeuné il n'y a pas très longtemps, alors là il part en congé pâte, mais avec Benjamin Retourné, tu Ah oui, connais ok. sûrement. Ouais. Voilà, il serait motivé, donc ce serait chouette de l'avoir. On a quelques autres petites pistes, Apple notamment, qui pourraient être une belle intervention aussi là, de product. Trop Ok, ben on va démarrer. Ça te va, Valentin, si on démarre un bien. petit, tout doucement. Du coup, ben, bonjour tout le monde. Bonjour à ceux qui sont déjà connectés et qui sont à l'heure sur qui nous rejoignent cette heure du déjeuner. Très agréable. Donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, je prends l'intérim de mon associé et cofondateur Benoît Rosier. Donc, je suis Martin Cantologa. Un des cofondateurs et CEO d'Upvisory. Alors, rapidement, bah, peut-être pour toi, Valentin, même si tu me connais peut-être un petit peu mieux, et pour les autres. Donc, Upvisory, c'est un des leaders dans l'accompagnement en termes d'agence conseil en product management. Donc, on accompagne des organisations à se transformer pour déployer, mettre en place du mode produit dans leurs organisations, mais également à former des collaborateurs dans les nouveaux frameworks, leur monter en compétences sur du produit et également à aider nos clients à opérer, soit sur du product management, du product design, voire même de la tech. Donc voilà, on a un peu plus de 150 collaborateurs aujourd'hui présents à Paris, Lille et Bruxelles. Et du coup, très heureux, et de toute façon, après, je te laisserai te présenter Valentin, d'accueillir Valentin Ménard de chez Mono Mono pour ce bourbier qui. Pour avoir un petit peu échangé et vu le contenu va être très intéressant et m'a beaucoup beaucoup séduit en tout cas. Donc merci encore Valentin d'avoir répondu présent à cette invitation. Rapidement du coup pour l'ensemble des participants, bienvenue.
Ce qu'on vous propose, et c'est la force de Livestorm, c'est de pouvoir quand même être un minimum dans l'interaction. Vous avez un onglet tout en bas à droite qui s'appelle Questions. À côté du chat, on vous invite à poser vos questions. Je ferai le modérateur pour aider Valentin. Donc, dès que vous avez une question qui vous vient, posez-la nous dans l'onglet Questions. Et derrière, vous pouvez voter pour vos questions favorites. Et en fait, un enjeu de priorisation. Une fois de plus, on sélectionnera les questions qui sont le plus demandées, les plus votées, le plus adoubées. Et si on a le temps de tout passer en revue, on fera toutes les questions. Mais voilà, ça me permettra aussi de prioriser si de nombreuses questions viennent à nous. Donc voilà, n'hésitez pas, l'onglet est fait pour ça. Et ce qu'on vous proposera également, voilà, bientôt sur la pause d'été, c'est la dernière session avant la reprise de septembre, ce qui nous permet de nous reposer un petit peu quelques questions sur le format, le contenu de ces bourbiers. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de répondre à un sondage en fin de session qui vous sera transmis. Donc, ne quittez pas tout de suite et on sera vraiment agréablement surpris et preneur de vos feedbacks sur ces sessions. Juste pour rappeler le principe du bourbier en quelques mots, et je laisse la main après à Valentin. Donc, le bourbier, c'est un live avec des product leaders qui viennent partager, voilà, sans bullshit, de manière assez transparente, l'actualité, la vérité autour du product management, leur background, ce qu'ils ont connu, et notamment ben, partir des difficultés, des défis qui ont été les leurs pour vous permettre d'en tirer des apprentissages. Ils vont vous partager ces apprentissages et je crois qu'on va parler théorie versus pratique dans cette session avec Valentin. Donc voilà. Donc l'objectif, c'est voilà, c'est d'avoir du parler vrai et de tirer un maximum d'insights, d'apprentissage de personnes qui ont une forte expertise et une forte expérience dans le domaine. Donc Valentin, merci beaucoup encore une fois d'être présent. Je te laisse la main pour te présenter, introduire le sujet et on avance derrière à propos de Pulse. Cool, merci beaucoup Martin pour l'intro, merci pour l'invitation et super heureux de vous partager ces retours sous ce format interactif. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, je serais très content de me faire piéger. Donc le point de départ en fait c'est de parler ce que j'ai appelé le kit de survie du product manager et c'est la difficulté à être clair sur son rôle, sur ce qu'on est attendu. Qui m'a suivi un peu au sein de ma carrière et ensuite qui a eu des répercussions chez Mano Mano avec des frustrations qu'ont pu créer à la fois qu'ont pu connaître à la fois les équipes produits et équipes business et comment est-ce que on en sort. Donc pour me présenter un peu, donc moi ça fait plus de 8 ans que je fais du produit dans des contextes très différents. Donc en background j'ai fait une école de commerce et en sortant d'école j'ai voulu lancer une startup qui était style Mapster, donc c'était la recommandation exclusivement de restaurants pour le coup, par ses amis et des blogueurs de son entourage, et des blogueurs. Et j'avais aucune connaissance ni design, ni tech, ni entrepreneurial d'ailleurs. Et du coup, j'avais fait la formation du wagon et je passais en fait 50% de mon temps à faire du développement et 50% du reste du temps à faire ce que je ne savais pas encore, mais qui était du product management. Et au bout de 2 ans, du coup, me rendant compte que c'était vraiment cette partie-là qui me tentait le plus, j'ai rejoint Blablacar, où là, c'était un contexte de à peu près 600 personnes à ce moment-là, une quinzaine de product managers. Et surtout, c'était à l'époque une des startups de référence sur la manière de faire du produit, les fondateurs. Avaient fait un tour aux États-Unis et du coup, ils arrivaient avec des méthodos qui n'étaient pas encore si distillés que ça en France. J'ai rejoint ensuite mon manager chez Clustry. Là, à nouveau, contexte très différent. Pour info, chez Babeka, j'étais sur les sujets très design. J'avais l'idée, le design system, la refonte du design system, donc toute l'interface visuelle de Babeka, puis réfléchir à quoi ressemblerait une expérience de bus. Blablabus, déjà en amont, ils réfléchissent à ça. Et chez Clustry, là, contexte très différent, déjà parce qu'on est une quarantaine, on est deux product managers, et un tiers de l'équipe, c'est data scientist.
Parce que notre produit, c'est de permettre à des grands groupes type Orange de pouvoir faire de la mobilité transverse, la mobilité interne qui soit transverse. Donc, c'est-à-dire, chef de produit marketing, c'est pas passer de junior à senior, mais de voir quels sont les autres domaines dans lesquels je pourrais aller. Et donc, on avait des data scientists qui essayaient de comprendre par rapport au profil les compétences qu'ils ont. Pareil sur les offres de poste et arriver à les matcher. Donc là, enjeu d'un produit où comment est-ce qu'on arrive à se faire pardonner nos erreurs, comment est-ce qu'on arrive à avoir des recommandations qui sont intelligibles et qui créent de la confiance, sachant que tout est une black box qu'on ne maîtrise pas. Et enfin, j'ai rejoint. Donc la boîte a été rachetée par un grand groupe américain et ça me plaisait un peu moins comme culture de travail. Et du coup, j'ai rejoint Mano Mano il y a un peu plus de 2 ans et demi maintenant. Et là, nouveau contexte différent, plus de 1000 personnes, 50 PM, donc on est sur une grosse armada. Et là, pour le coup, c'est un peu la quatrième grosse dimension que je voulais toucher, qui est la dimension business, je trouve, autour de nos rôles, donc tech, design, data science et business. Avec, c'est le e-commerce, donc on regarde ses perfs jour après jour, toutes les semaines, il y a une évaluation de la direction que la boîte est en train de prendre d'un point de vue performance business. Et puis on regarde les métriques avec un niveau de précision assez folle par rapport à ce que j'avais pu connaître. Il y a des dizaines de millions de personnes qui circulent sur le site chaque mois. Donc on a un niveau d'analyse qui n'a rien à voir avec ce que j'avais pu connaître. Et le point commun en fait de toutes ces expériences, c'est que je favorisais d'être en contact avec des gens produits qui m'inspiraient. Que ce soit chez BlaBlaCar ou tu parlais de Benjamin Retourné. Il y a Rémi Guyot qui me fascinait Exact. beaucoup. Chez Clustry, j'avais rejoint mon ancien manager Martin Bouge. Et chez Mano Mano, dans mes entretiens, j'avais passé avec Amandine Dur, Clément Caillol, qui ont pas mal marqué l'écosystème produit. Donc c'était vraiment mon leitmotiv, au-delà des différentes composantes et arriver du coup à avoir une complémentarité des expériences produits. C'était d'avoir des mentors et une culture produit au sein de ces boîtes qui était forte. Et malgré ça, en fait, jusque récemment, je me disais, mais c'est quoi un PM? Et pourtant, je promets, j'ai lu Marty Kagan. Alors, je n'ai pas lu tous les livres. Mais je me disais, en fait, si je devais résumer en une phrase, c'est quoi ma mission et c'est quoi les grands principes que je dois avoir en tête? Et je crois qu'on se bat un peu tous avec ça, avec des perceptions qui sont très différentes de notre métier. Suivant les interlocuteurs auxquels on parle, et qu'en l'absence de clarté, on a du mal à vraiment aligner sur une vision commune. Et ça, est-ce que tu as vu aussi, parce que tu fais du produit à peu près en même temps que nous, on a lancé Advisory il y a une petite dizaine d'années. Nous, on a vu le produit évidemment évoluer, gagner fortement en maturité. Est-ce que toi, tu as vu une différence? Est-ce que ça a apporté de la clarté? Ou d'ailleurs, on entend beaucoup en ce moment parler de Marty Kaganisme, hein, de sortir un petit peu de cette vision théoricienne du product. Je vois beaucoup de responsables produits parler autour de ça. J'en discutais d'ailleurs il n'y a pas très longtemps avec Fabrice de Mazeri, d'ailleurs, sur le même sujet. Est-ce que tu vois une évolution aussi, peut-être, ça a ajouté au contraire de la complexité, dans ce domaine-là? Voilà, c'est quoi ton œil, justement, sur cette problématique qui fait le fil rouge de notre discussion aujourd'hui? Je vais forcément revenir dessus. D'un point de vue chronologique, moi j'avais l'impression, en tout cas quand je me suis lancé, qu'il y avait quelques livres de référence par rapport au monde des startups qui étaient super bien écrits et du coup il n'y avait pas tant de bruit que ça. Il y avait du coup quelques principes qui émergeaient et que plus il y a la communauté qui s'est développée, plus il y a des gens qui ont parlé. Mais en fait, moi-même j'y contribue, hein. Mais du coup, plus les gens en ont parlé, plus ça a fait une masse d'informations et beaucoup de principes qui en sortaient à droite, à gauche. Et du coup, ça devenait compliqué de se dire, mais en fait, je ne trouvais pas que ça clarifiait quelle était la mission du product manager. Mais par contre, ça a rajouté des prérogatives de ce qu'on était censé faire ou pas faire. Et ce qui a ajouté encore plus, je trouvais, une charge et un côté un peu brouillon dans qu'est-ce qu'on doit faire. Après, là, je trouve que depuis que. Il y a un peu une crise de l'écosystème, un besoin d'être profitable, que le débat a évolué sur le côté purement user-centric et on verra bien pour la suite.
Vers le business, ce que tu Ça dis. aussi, on va en discuter, mais j'ai l'impression vers un équilibre qui est peut-être un peu moins idéalisé que ce qu'on a pu avoir. Et du coup, en fait, le product management ou la chefferie de produit, même si ça sonne moins sexy comme ça en français, c'est un métier qui existe depuis longtemps. Le problème, c'est que donc dans des boîtes comme L'Oréal, comme Decathlon, enfin dans plein de boîtes en fait, Sur du il y produit a des chefs de physique. produits, ouais, produits physiques exactement. Le truc, c'est que c'est dur de se raccrocher à ces métiers pour expliquer notre rôle, parce que ce rôle a été complètement transformé par l'industrie digitale et ses spécificités même. Et moi, j'en identifie trois qui sont au cœur de ça, c'est la scalabilité. On a une attention sur l'utilisateur qui est extrême parce que créer le même service pour un ou 1 000 utilisateurs, les coûts marginaux sont assez faibles. Donc si je prends un exemple, un restaurant qui va créer un menu étoilé pour 10 euros, on peut être quasiment sûr qu'il ne sera jamais rentable. Ne serait-ce que les coûts personnels, de lieu et les ingrédients. En fait, juste en ingrédients, ça dépassera les 10 euros. Le digital, c'est un peu comme si je pouvais faire une assiette étoilée à 10 euros. Et si je vois que ça marche, que l'utilisateur les aime bien pour ce prix-là, ben en fait, sans payer beaucoup plus d'ingrédients, eh ben je peux transformer cette assiette et je peux démultiplier les pains quoi, en 1 000 assiettes. Et donc, on voit pourquoi il y a des stratégies très fortes qui ont émergé sur concentrez-vous à fond sur l'utilisateur. Le deuxième, c'est par rapport à la vitesse d'itération. Si on prend à nouveau une boîte de l'industrie, type un Peugeot, ils vont créer une nouvelle voiture, bah, tu as intérêt à pas te tromper parce que il va y avoir un système un peu waterfall, comme on va attaquer ce genre de système, mais dans ce genre d'entreprise, à un moment, tu es obligé de prévoir un Planifier. échéancier, tu es obligé de planifier énormément ton système de distribution, ton système de production. Du coup, si tu vas mettre. Enfin, tu vas devoir anticiper tes chaînes de production, combien de volume est-ce que tu estimes. Enfin, tout ça sont obligés de planifier énormément à l'avance. Et si tu fais un bug, si tu as un produit type les freins ne sont pas bien réglés, tu vas devoir rapatrier, on l'a vu hein, dans le passé, des millions de véhicules et c'est une catastrophe industrielle. Nous, la chance qu'on a, c'est on peut y aller progressivement en disant OK, on va faire un début de fonctionnalité, on va voir si ça plaît. Et du coup, bah, si on voit que ça ne plaît pas, bah on s'arrête. Ou on va pouvoir comprendre au fur et à mesure et ajuster progressivement la fonctionnalité, ce qui est un luxe que ne peut pas se permettre beaucoup d'industries. Et pareil, si on fait quelque chose un peu trop vite et qu'on voit qu'on a un problème, sauf si on est dans des industries type la santé ou la sécurité, on peut revenir en arrière et faire une petite modification qui passe en prod dans la semaine. Donc ça forcément ça change totalement la manière de voir le métier. Et le troisième point qui vient nourrir en fait celui-là, c'est la capacité de traquer ce que les utilisateurs font. Je pense qu'il n'y a, au y a aucune industrie qui a cette capacité à pouvoir savoir exactement ce qu'un utilisateur fait parce qu'on a créé un monde de toutes pièces dans lequel du coup chaque interaction avec celui-ci on peut le répertorier. Et nous chez Mano Mano c'est incroyable. Moi je m'occupais de la page produit. On peut faire des petites évolutions et en une semaine, on sera capable de dire est-ce qu'à 0,5% de conversion, ça a amélioré ou pas. Ça a eu un impact, bien sûr. Donc, il y a ces trois éléments fondamentaux de l'industrie digitale qui, en plus, ont été accompagnés par des courants de pensée qui ont pris pas mal d'ampleur ces derniers temps sur le pouvoir de la collaboration et du coup, casser un peu sur l'aspect top-down. Avec. Tout ce qui est autour des équipes décentralisées et comment ce pouvoir de la collaboration il permet d'avoir des meilleures décisions et les process qui font partie du design thinking pour arriver à faire en sorte que cette collaboration elle soit fructueuse. Et donc, avec tous ces principes, en fait, ça change totalement le métier et on peut en découler bah, beaucoup de sous-principes. Et ce qui est compliqué, c'est qu'il y a beaucoup de documentation qui a été écrite un peu partout. Et qu'on peut vite se sentir noyé dedans et perdre de vue notre mission. Et donc, ça, tu vois, par rapport à ta question, je trouve que toute la prolifération des articles, des tweets, de tout ça,
ça a pu contribuer à perte de vue. Mais en fait, avant de parler de tout ça sert à quoi un product manager? Et si on devait retenir deux, trois trucs, ça serait lesquels? Après, si je suis un super product manager et déjà ces deux, trois trucs, je les maîtrise, parlons de la suite. Mais déjà, ce serait quoi les deux, trois trucs? Donc, moi, j'étais un peu dans cet état-là, à me dire, mince, j'ai l'impression d'être un mauvais product manager parce que dès que je dis quelque chose, j'ai l'impression qu'il y a la moitié des choses que je ne fais pas. Et en même temps, je me dis, c'est pas possible, en fait, on voit bien un produit, c'est pas comme ça qu'on va le juger. Donc, comment est-ce que j'arrive à remettre de la clarté sur mon rôle et ce sur quoi je dois m'appliquer pour être bon? Et en février 2021, je rejoins ManoMano en me disant, OK, là, je rejoins une boîte hyper solide, notamment d'un point de vue produit. Donc, on avait plus de 40 PM, mais surtout des PM qui ont pas mal marqué la communauté produit. On a Pierre Fournier, Amandine Dur, Clément Cailhol, Chloé Martineau, et je suis sûr que j'en passe beaucoup. Et donc, je me dis, bah, dans cet environnement, j'aurai mes réponses claires et je serai un peu apaisé par rapport à tous ces questionnements. Et un peu patatras, 6 mois plus tard, en fait, cette question bah, se pose chez ManoMano. Elle ne se pose pas de manière théorique. Elle se pose que nos interlocuteurs business, donc l'équipe business, l'équipe sales, l'équipe marketing, ils sont frustrés de la manière dont ça se passe. On travaillait quand même pas mal by the book. Vous avez pu voir un peu les articles de Pierre Fournier qui reprend pas mal d'éléments de Marty Kagan et qui a réussi à les appliquer chez ManoMano, ce qui est peu d'entreprises, j'ai l'impression, qui ont réussi à appliquer les choses aussi consciencieusement. Mais du coup, ça a créé pas mal de frustration côté équipe business qui disait, en fait, vous les sortez d'où vos principes? De un, on trouve qu'ils sont très rigides. De deux, on ne trouve pas qu'ils soient alignés avec Les les intérêts. besoins réels de notre entreprise. Et en plus, on a l'impression que vous réinventez la roue là où il y a plein de choses qui, en fait, on pourrait dépiler, quoi. À certains balancements de fonctionnalités, dû à certains manques de résultats à certains moments de l'équipe produit, il y a eu un peu un revirement pour prendre plus en compte ces frustrations business, avec du coup un changement un peu des process produits, et ce qui du coup bah, a amené des frustrations côté produit en disant bah, on ne laisse plus faire by the book. Typiquement, truc by the book, c'est le côté bah, en fait, on ne peut pas s'engager sur des deadlines parce que par essence, la discovery c'est incertain, on ne sait pas quand est-ce que combien de temps ça va prendre, exactement quelle sera la fonctionnalité. Et donc, quand il y a un business qui dit bah non, moi j'ai besoin de pouvoir anticiper et maintenant vous allez devoir vous calquer un peu sur ce modèle et que c'est ça qui devient la prérogative, bon, bah ça crée des frustrations côté produit. Et moi, j'avais été quand même pas mal biberonné aussi à sa théorie. Donc, quand je vois que la situation elle se renverse un peu, je me dis mince, faut peut-être que j'aille voir ailleurs. Et en même temps, en fait, assez rapidement, je me suis dit ok, on est dans une boîte qui a mis en pratique ces éléments by the book pendant plusieurs années. Et pour autant, on voit que ça crée de l'insatisfaction jusque notre e-team. Donc, si ça marchait parfaitement, on n'aurait pas aujourd'hui, on ne serait pas dans cette situation. Et en même temps, je suis d'accord avec beaucoup de choses qu'ils disent. Et je suis d'accord aussi en même temps avec les frustrations business que j'entends. Donc, en fait, je suis à l'endroit parfait pour essayer de comprendre quel est le juste milieu à trouver entre la théorie et la pratique. Et en fait, j'aime pas d'ailleurs ce terme juste milieu, mais pour retrouver une théorie qui soit vraiment alignée avec la pratique. Et donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai commencé un peu mon petit bonhomme de chemin, où j'ai commencé à discuter avec des gens produits de chez ManoMano qui m'inspiraient beaucoup, assez seniors, en leur demandant, mais OK, toi, tu la vois comment la situation? Selon toi, c'est quoi les choses qu'on fait concrètement côté produit, by the book, qui sont en train d'être remises en question par les nouveaux process? En quoi est-ce que ça met en danger ManoMano? Et puis plus largement, c'est quoi un PM? Et c'est quoi la mission qu'on doit chercher à atteindre et les quelques principes à garder en tête? Tu vois, si moi je suis dans un environnement où on se dit que c'est moins favorable pour le produit, c'est ta frustration actuelle, c'est quoi les deux, trois
principe que moi je dois garder en tête si je reste dans cette entreprise. Et ce qui m'a frappé, c'est que en fait, bah, tout le monde disait un peu des choses différentes et personne ne sentait totalement clair non plus. Alors qu'il y avait des gens avec quand même vachement d'expérience. Et moi, je pense que moi, je suis pas très à l'aise avec le flou. Et peut-être si ce flou pouvait être justifié, j'en sais rien. Mais moi, je n'étais pas à l'aise avec ça. Et donc, j'ai continué un peu mon périple. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, en fait, c'est le fruit de plus d'un an d'un travail de recherche où j'ai passé entre une demi-heure et une heure tous les jours. Et il y avait d'un côté une trentaine d'interviews côté équipe produit en interne, à tous les niveaux. Et aussi des gens de la communauté externe. Donc des gens, il y a eu Rémi Guyot, il y a eu des gens de Malte, des gens de PFI, enfin, essayer d'avoir une représentativité d'autres belles startups françaises pour prendre du recul aussi sur la situation. Et aussi une trentaine d'interviews côté business, parce que le but, c'était de créer un alignement sur ce qu'était notre rôle qui puisse être accepté en fait dans l'entreprise. Mon but, ce n'était pas de recréer une nouvelle théorie qui servirait à rien parce qu'elle ne serait pas appliquée. Parce que, en fait, les équipes business seraient assez bien beau sur papier, votre truc, mais en fait, ça répond pas du tout à nos attentes. Juste, est-ce que Valentin, tu peux donner un petit peu de contexte parce que là, on est presque sans utiliser gros mots, hein, mais sur un début de transfo ou en tout cas une réflexion, transformation des process, des pratiques de l'équipe produit et ça va bien au-delà. Est-ce que c'est comment ça s'est fait? Est-ce que c'est un mandat que tu as pris au regard voilà, de ce constat? Est-ce que c'est un mandat qu'on t'a donné? Est-ce que tu faisais ton rôle de PM à côté? Est-ce que tu as été dédié à ça pendant une période? Est-ce que le mandat il est venu de la direction générale ou même des stakeholders un peu stratégiques côté business, côté marketing? Ou est-ce que c'est plutôt le responsable produit de l'époque qui a dit OK, il faut quelqu'un pour piloter ça, Valentin, ça t'intéresse, est-ce que tu prends le sujet? Voilà, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu Ouais. plus là-dessus? Ouais. Non, c'était vraiment une initiative personnelle où, en fait, au début, j'avais besoin de clarté parce que je me posais des questions, en fait. Je me disais, est-ce que cet environnement est toujours propice pour moi? Et donc, j'ai essayé de rencontrer, j'ai commencé par rencontrer 7, 8, 10 personnes qui m'inspiraient en produit chez nous. Et au fur et à mesure que je posais des questions, les gens me disaient, bah, à la fin, je serais curieux d'avoir un peu ton récap des différentes discussions que tu as eues. Et donc, progressivement, en fait, au moment où j'atteins justement une vingtaine d'interviews, il y a eu un nouveau VP Product qui est arrivé chez ManoMano. Parce qu'avant, il y avait un peu un flou entre Pierre Fournier et ce nouveau VP Product, il n'y en a pas eu. Et c'est aussi, ouais. Et ce VP Product, donc François Ozanne, que je salue, qui m'a dit bah, vas-y, go, continue ton audit. Et si tu peux nous le restituer à l'équipe entière, moi, ça m'intéresserait. Donc, j'ai fait cette étape. Et ce qui était top, c'est là, à partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, il faut que j'ai une approche plus structurée au sens où il faut que j'ai une représentativité de tous les échelons de l'entreprise. Là où au début j'avais commencé surtout avec les gens seniors qui m'inspiraient. Et j'ai eu l'accès du coup jusque au CTO et au fondateur qui était celui qui s'occupait de la phase produit. Et à la fin de cette première phase, justement, le VP Product, il me dit, bah, OK, c'est très bien. Néanmoins, il faut qu'on soit sûr que côté business, il pense la même chose ou que. Voilà, ça va pas être une théorie qui va être mise à la poubelle parce que, enfin, on va la mettre sur l'étagère parce que ça répond pas à leurs besoins. Et donc, bah là, je me suis proposé de continuer ce process d'interview côté business. Et ce qui m'a fasciné, c'est qu'en fait, c'est là où j'ai eu le plus d'insight. C'est là où j'ai le mieux compris notre rôle parce que je le voyais d'un œil extérieur. Et je comprenais, du coup, je comprenais mieux ce qu'on était censé attendre. Et je pense que, dans les interviews côté produit, on a tous un peu le même lexique, on utilise des mots bagages et on a fini par s'habituer à ces mots bagages, mais en oubliant un peu de creuser la phase d'après. Et parce que ça nous paraît tellement évident, en discutant du coup avec ces équipes business,
Bah, là, il y a plein de choses qui me sont apparues, comme en fait, il n'y a pas de raison que ce soit naturel et qui m'ont apporté vachement plus de recul sur mon métier. Et donc là, une fois qu'il y a eu les 30 interviews, j'ai refait un débrief auprès du VP Product, de l'ensemble des Head of Product ensuite, puis après au CPO, enfin notre CTO qui est aussi CPO, puis après à notre équipe agile, puis ensuite du coup... à la direction, donc à la IT team. Et ensuite, rediffuser en dessous à toutes les équipes tech, aux équipes business, aux équipes produits. C'est comme ça que ça s'est fait. Ok, top, top. Et du coup, peut-être pour aller un peu plus loin, qu'est-ce que tout ça a donné? Yes, carrément. Et ben, déjà, un petit disclaimer, c'est que c'est pas une vision idéalisée du produit. Ce n'est pas une vision de ah, bah, comment est-ce qu'en tant que product manager, on va pouvoir faire le plus d'innovation. C'est vraiment en tant qu'entreprise, qu'est-ce qu'on attend d'une équipe produit? Comment est-ce qu'elle peut avoir le plus d'impact pour répondre aux intérêts de l'entreprise? Parce que, in fine, on est embauché par une entreprise. Donc, c'est pas une. Parfois, j'ai l'impression que comme si on se créait ce poste en disant voilà, moi, selon moi, c'est ce que je veux faire. Et ce qui est marrant, c'est que. En général, quand on arrive sur un poste, on demande à notre manager, c'est quoi tes attentes? Qu'est-ce que je suis censé faire? Et bah, là, je trouvais qu'il y avait un peu une déconnexion entre produit et CEO d'une entreprise. En fait, notre mandat, il nous vient du CEO. Et du coup, là, c'est vraiment, en tant qu'entreprise, qu'est-ce qu'on attend du produit? Pour info, donc là, il y a trois assets sur lesquels on s'est aligné. Ils ont été ensuite validés par toutes les personnes, enfin, par tous les étages. Produits et business, jusque-là ici. Et ils ont été transformés en articles, donc vous pouvez les retrouver sur Medium. Ils ont été transformés en articles et il y a plus d'une cinquantaine de personnes qui ont fait des retours sur les articles. Justement, en fait, cet article qui était publié à l'extérieur, c'était aussi une manière d'arriver à s'aligner sur les détails, parce que souvent, le diable, il se cache un peu là-dedans. Donc il y a trois assets et là on en verra que deux aujourd'hui. Celui du milieu, en fait, avec les deux externes, vous l'aurez. Mais vous pouvez aller plus dans le détail en regardant les articles. Et le premier, c'est les mythes. C'est qu'est-ce que n'est pas le product management. Donc le deuxième, c'est qu'est-ce que le product management, sa mission et les quelques best practices à garder en tête. Et le troisième, c'est le framework Pulse. C'est comment les mettre en place sans s'essouffler ou sans entrer en conflit avec ses collaborateurs. Donc on peut y aller, à moins qu'il y ait une question à ce stade, on peut se lancer sur les mythes, tu me dis. Ouais, non, c'est top. Et en fait, j'aime bien ta réflexion de dire justement peut-être la différence, et tu me diras, de ce framework Pulse par rapport peut-être à d'autres frameworks produits, mais j'ai l'impression que c'est l'enjeu écosystémique justement, déjà de répondre à l'intérêt de l'organisation globale de l'entreprise d'un point de vue, tu m'as beaucoup en parlé, je crois, business, mais aussi justement de ne pas te mettre parfois en conflit avec les autres métiers de l'entreprise avec lesquels tu peux collaborer de manière plus ou moins proche. Ouais, c'est vraiment ça. C'est pas une vision du produit par le produit, mais une vision du produit par l'entreprise, produit et business inclus. Et c'est, je pense que tout le monde a un peu en tête la vision idéalisée de tout ce qu'un PM devrait faire. Là, la question, c'est de manière pragmatique, quand je rentre en poste, c'est quoi les différentes étapes pour y parvenir? Et bah, let's go. Alors, on va commencer sur la première étape, les mythes, avec cette phrase un peu provocatrice qui est ici, vos plus grandes convictions étaient vos plus gros pièges. Et cette autre phrase un peu de navale que j'aime bien, qui est le plus dur dans le fait de monter la montagne, c'est de descendre celle sur laquelle on est aujourd'hui. Et en fait, en discutant avec les gens produits et aussi les gens côté business, je voyais que ce qui était le plus compliqué pour arriver à imaginer ce rôle du product manager, c'était de sortir de tous les paradigmes qu'on avait en tête qui nous empêchaient d'y voir clair. C'est ça qu'on va avoir. Et pour moi, ça vient d'une incapacité à distinguer le pourquoi du comment. Le pourquoi, c'est pourquoi est-ce qu'on était embauché? C'est quoi notre rôle? C'est quoi notre mission? Et notre mission, elle est très basique. C'est conduire les évolutions produits vers les objectifs de l'entreprise. Et je pense que tout chef de produit pourra se reconnaître là-dedans. Parce que le fait d'être dans le digital, ça change rien à notre mission. Néanmoins, c'est super important de l'avoir en tête parce que c'est elle qui justifie le how.
quels sont les outils qui nous permettent d'atteindre le succès de cette mission. Et en fait, je pense que c'est là où il y a un peu un imbroglio qui s'est créé. C'est une suite de how, une suite de stratégies, d'outils qui pour autant ne sont pas rattachés à une mission. Et moi, c'est un truc qui m'a toujours fasciné, que c'est une des questions à laquelle on répond le moins parce qu'on a toujours du mal à dire c'est quoi le rôle du product manager, et que pour autant, on n'a aucun problème à trouver une infinité de stratégies sur comment le faire. Et ce qui m'amuse aussi, c'est d'autant plus, c'est que quand nous-mêmes, dans notre posture de product manager, quand on vient nous voir avec des idées de solutions, on est ah non, non, je veux pas de solution, je veux que tu me dises quel est le problème auquel je dois résoudre. Et après, je trouverai les meilleures solutions. Mais pour autant, quand il s'agit de notre métier, ben on est assez à l'aise de dire, ben je ne sais pas quel problème je résous fondamentalement, quel est mon rôle. Par contre, je suis très à l'aise d'avoir plein de principes sur comment le faire. Et pour moi, le premier mythe, c'est que le product management, ça veut dire être user-centric. User-centric, si on reprend une définition que j'aime bien de product board, c'est de dire l'objectif principal d'une équipe produit et d'une organisation, c'est de rendre les utilisateurs heureux et de les garder heureux et que satisfaits. Et que tout le reste, toutes les métriques business, en fait, elles vont finir par suivre. Déjà, il y a un truc qui quand même mérite d'être dit, même si c'est évident pour beaucoup de gens, c'est que le but d'une entreprise, c'est de faire de l'argent, c'est de faire des profits. Et si on regarde les statuts d'une entreprise, si vous regardez sur la BPI, à moins que vous soyez une entreprise solidaire ou d'État, le but d'une entreprise, c'est de faire de l'argent. Donc peut-être que Zuckerberg, quand il a lancé Facebook, sa vision, c'était de connecter les gens. Néanmoins, une fois qu'il a créé la boîte, qu'il a fait rentrer les investisseurs, le but premier de l'entreprise, c'est de faire des revenus. Avec cette vision, certes, mais de faire des revenus. Donc quand on parle de user-centric, il faut bien avoir en tête déjà que c'est une stratégie pour faire des revenus. Après, la question, c'est est-ce que c'est la bonne stratégie? Parce que quand on dit user-centric, ça veut dire concrètement, quand je vais réfléchir à ma roadmap, je vais partir des besoins produits, les besoins utilisateurs les plus importants, je vais les satisfaire et ça va finir par amener des revenus. Je prends un exemple un peu caricatural, mais imaginons mano mano, je pense que les utilisateurs seraient. Ah, au cas où, les gens ne connaissent pas mano mano. Mano mano, c'est un site d'e-commerce où on peut trouver tout ce qui est en lien avec la maison, donc soit un peu le do-it-yourself, le bricolage, jardinage, ameublement. Donc on peut le voir comme un Amazon spécialisé sur le do-it-yourself et gardening, ou un Leroy Merlin purement digital. Mais donc, imaginons que sur tous les produits Mano Mano, donc on est une marketplace, sur tous les produits vendus par Mano Mano, il y a un prix plus bas sur Leroy Merlin. Je suis sûr que nos utilisateurs seraient super intéressés qu'on leur mette un lien, acheter chez Leroy Merlin, c'est moins cher. Mais je pense que d'un point de vue business, ce serait catastrophique pour la boîte. Mais si je prends un autre exemple, aujourd'hui, quand on regarde tous les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, YouTube, il n'y en a aucun qui n'a pas de pub. Et je pense qu'il n'y a aucune étude utilisateur où les gens ont dit j'aimerais bien me faire un peu plus couper dans mes vidéos pour avoir de la publicité. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'approche purement, on part de l'utilisateur et on aura nos objectifs business, en fait, elle est un peu naïve parce qu'on voit bien que dans des circonstances comme ça ne marche pas. Et ou alors, ce qu'on est en train de dire, c'est ben en fait, il n'y a personne qui sait faire du produit. Même les Facebook, Instagram, tout ça, qui ont les meilleurs profils produits, mais ils ne savent pas faire du produit. Parce qu'un Ouais, produit, c'est user-centric, ils ne partent pas de là. puis bon, ça saurait, c'était les utilisateurs qui te disaient les solutions, qui t'exposaient le quoi faire, etc. Tout le monde l'aurait fait et pas forcément. Alors ça, C'est c'est un bout de encore un peu chaîne. différent parce qu'il y a le côté avoir la solution de l'utilisateur et avoir le besoin de l'utilisateur. Je La crois que souvent, quand on parle confirmation. de ouais, quand on parle de user-centricity, on ne dit pas forcément aller récupérer la solution de l'utilisateur, mais on dit partir en premier du besoin utilisateur. Et ensuite, c'est ça qui va guider pour savoir ce qu'on va faire d'un point de vue business. Et je crois que du coup, tant qu'on reste dans ce cadre-là, ça veut dire que tous les exemples de boîtes un peu successful, on se dit, bon, bah en fait, elles n'ont pas bien fait du produit. Et c'est quand même un peu problématique quand la culture produit, elle vient de ces boîtes-là. Donc on voit qu'il y a quand même un nœud autour de ce dogme. Donc l'enjeu, c'est d'arriver à trouver le bon équilibre entre ce qu'on arrive à donner comme valeur aux utilisateurs
et aux contraintes financières pour une entreprise, parce que, à nouveau, le but d'une entreprise, c'est de faire de l'argent. Le deuxième mythe, c'est que le product management, ça veut dire faire de l'innovation. Et bah, je pense qu'on a tous envie de créer la nouvelle fonctionnalité auquel personne n'avait pensé et qui change totalement les us et coutumes des gens. Néanmoins, l'innovation, par définition, donc, c'est créer quelque chose de nouveau. Et créer quelque chose de nouveau, ça prend du temps, c'est incertain, ça demande beaucoup de ressources. Et donc, dans une stratégie d'allocation des ressources, eh ben, si on prend un exemple très concret, est-ce que chez ManoMano, on préfère mettre nos ressources pour réinventer les moyens de paiement, ou plutôt se dire, OK, en fait, on va pas chercher à innover là-dessus, on va copier ce qui se fait très bien dans le monde du e-commerce. Ce qui est Par contre, performant. voilà, par contre, on va essayer d'innover sur comment vendre des produits techniques en ligne. Ça, pour le coup, il y a peu de gens qui ont vraiment craqué ce point. Donc, on voit bien qu'en fait, l'innovation, le product management, ça ne veut pas forcément dire innover. Ça veut dire de savoir où placer ces efforts d'innovation qui souvent correspondent aux quelques endroits où on a envie de se différencier. Le troisième, c'est que le product management, ça veut dire faire du long terme. Je crois que, évidemment, on a tous une vision qu'on a envie d'atteindre. Et quand on nous parle du court terme, on voit ça un peu comme des obstacles. Oh non, mais du coup, tu m'empêches d'aller aussi vite que je voudrais sur la vision long terme. Mais c'est un peu. C'est un peu se cacher totalement de la réalité et de ne pas l'embrasser en totalité. On est tous enfin, beaucoup, je pense, là, dans des startups. Opérationnel, aspiré à Ouais. l'opérationnel. On est tous un peu dans des startups où on doit se refinancer soit tous les 2 ans, soit arriver à prouver qu'on a réussi à devenir profitable. Donc, en fait, le court terme, il est vital dans nos boîtes plus que dans d'autres boîtes. Le court terme, c'est la condition même de la survie. Donc, se dire non, mais le product management, c'est surtout avoir une vision du temps long. Et le court terme, bon, bah, faut que j'essaie d'y passer le moins de temps possible. Non, en fait, on est là pour servir les intérêts de notre entreprise. Et dans les startups, le court terme, il est vital. Et donc, il faut qu'on le prenne autant en compte que le long terme. Il n'y en a pas un qui est plus noble que l'autre. De toute façon, en général, tes stakeholders, si tu le rappelles, ils te le rappellent rapidement. Oui, mais de toute façon, tout ça, en fait, tous les points, l'innovation, le user-centric, le long terme, tes stakeholders, ils te le rappellent. Et c'est ça le problème, c'est que ça crée de la frustration auprès de PM qui se disent, mais on m'empêche de bien faire mon métier. Tout le nœud du problème, il est là. Alors que non, il ne faut pas que tu sois frustré, il ne faut pas que tu dises qu'on t'empêche de bien faire ton métier, c'est de répondre aux besoins de l'entreprise. Et là, on a besoin de toi sur le court terme. Le quatrième, c'est que le product management, ça veut dire prendre toutes les décisions. On a eu une période chez ManoMano où le produit avait le pouvoir de trancher, et dire bon, bah, on fait plutôt ça ou pas ça. Et ce qu'on voit, c'est que ça a créé des frustrations côté business parce qu'ils avaient l'impression, de manière assez légitime, qu'ils étaient moins écoutés. Et que du coup, les projets qui étaient pris allaient moins dans le sens des intérêts business et donc de l'entreprise. Et donc, on a eu un moment le retournement de situation où là, c'est le business qui a eu le pouvoir de trancher. Et on a vu exactement la même situation où, pour le coup, là, on leur reprochait de ne pas assez écouter les besoins utilisateurs et du coup d'avoir une vision plus mesurée de comment créer de l'impact. Et surtout, bah, en fait, si tu n'écoutes pas les besoins utilisateurs, tu finis par lancer des choses qui, in fine, ne marchent pas. Et donc, le système vers lequel on est tombé, c'est de dire, en fait, il n'y a personne qui a le pouvoir de trancher. On a une triade avec la tech, le produit et le business. Et en fait, ça a 3 grands bénéfices. C'est que on est beaucoup plus obligé d'écouter les besoins des autres. On doit bien mieux comprendre son propre argumentaire pour arriver à le défendre auprès des autres. Et on est dans une logique de co-création plutôt que des gens qui défendent leur position. Et donc, on peut croire que avoir quelqu'un qui tranche, pourquoi on le fait? C'est parce qu'on se dit, bah, très bien, il y a quelqu'un qui sera honneur et ça va accélérer. Mais en fait, tout le monde est dans une logique de défendre ses positions et donc ça crée des bâtons dans les roues. Là où, quand tu es en co-création, c'est beaucoup plus fluide d'expérience. Et le PM, par rapport à ça, son rôle qui est d'arriver à comprendre tous les stakeholders, c'est d'être le chef d'orchestre d'experts chacun dans leur dimension. Et en ayant compris tout ça, de proposer une route.
Et cette route, bah, soit elle est acceptée, soit elle n'est pas acceptée. Et dans ce cas-là, le rôle du PM, c'est de continuer à itérer et de proposer. Donc c'est un rôle de proposer et non pas d'imposer. Et enfin, dernier mythe, c'est que le product management, ça veut dire ne pas s'engager sur les deadlines. Donc on en a un peu parlé au début. Mais en fait, il faut changer de regard. Dans une boîte où on est 1000, où on travaille avec des sellers, c'est impossible de ne pas donner de deadline. Parce que si on change quelque chose sur l'interface seller, il faut absolument que notre service client il soit au courant, qu'il puisse créer des stratégies de contournement. Et donc la question, c'est pas est-ce que je peux donner la visibilité ou pas, c'est comment est-ce que j'en donne le plus possible. Et je vois bien d'où ça part, c'est le côté la discovery, c'est incertain, on ne sait pas jusqu'où ça va nous emmener. Pour autant, il y a deux choses, c'est que il y a beaucoup de projets qui ne sont pas de l'innovation. Et donc la phase de discovery, elle n'est pas si incertaine que ça. Et le deuxième point, c'est, nous par exemple, on fonctionne par cycle de 2 mois maintenant, c'est se dire, bah, tout ce qui rentre dans un cycle de 2 mois, ça a déjà fait l'étape d'une phase de discovery, donc on a déjà réduit la plupart des risques. Donc quand ça arrive, on est au moins capable de s'engager sur la première itération et dire, voilà ce qui va être lancé à telle date. Par contre, il y aura peut-être des itérations suivant les retours qu'on a. Mais déjà, en fait, donner le plus de visibilité possible. Plutôt que de rentrer dans ce dogme de bah en fait c'est incertain, on verra bien ce qui peut sortir. Ah, puis t'as des dépendances, en fait, ce que tu disais, c'est carrément le principe de d'engagement sur une planification ou sur de la deadline, il est lié à des dépendances que tu peux avoir et qui vont engager un certain nombre d'actions d'autres équipes sur d'autres sujets. Ouais, Comme t'expliquais avec le complètement. service client. Et oui, il y a les dépendances tech, bien évidemment, Ouais, c'est sans en compliqué. parler. Ouais. Donc ça, c'est pour la partie mythe. Et une fois qu'on a ça, c'est OK. Comment est-ce que j'essaye d'apporter le plus de valeur possible en tant que product manager dans l'entreprise? Et il y a à la fois le côté pour moi-même, savoir quelle est toute la panoplie d'un PM, mais aussi pour les business owners qui en fait, parfois nous réduisent dans une case parce qu'ils n'ont pas compris toute la valeur qu'on peut apporter. Et c'est ça qui fait que quand on arrive en tant que PM dans une nouvelle entreprise, ça peut être un peu frustrant parce que les gens n'ont pas vraiment compris tout ce qu'on pouvait apporter. Et j'adore ce tweet où la personne elle dit, bon, moi j'étais fan du product management, je suis tombé amoureux de toute la théorie, néanmoins, je me rends compte que les gens, tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur délivre leur fonctionnalité. Donc j'ai arrêté de faire du product management, essayer de comprendre quel était le besoin et tout et tout. Et maintenant, bah, je suis beaucoup plus heureux, beaucoup moins stressé, tout le monde trouve que je suis super fort et je paye 200 000 euros. Donc il y a une tentation en fait de s'abandonner à la case dans laquelle on nous met. Et pour moi, c'est dommage parce qu'intellectuellement, c'est moins stimulant et pour l'entreprise, on n'a pas l'impact espéré. Donc tout mon enjeu avec le framework Pulse, c'est de proposer un chemin qui permet d'apporter des pratiques produits optimales. Sans s'essouffler, sans se perdre en chemin, sans s'abandonner à une vision plus réductrice. Et la manière d'y arriver, c'est en apportant de la valeur depuis le début. Il y a une façon qui est assez, et que j'ai testée, qui est intellectuellement hyper satisfaisante, c'est voilà, tu arrives dans une équipe, ça fait 3 mois qu'ils attendent un PM, ils débordent de fonctionnalités dans le backlog. Ce qui sort, ce n'est pas exactement ce qu'ils veulent, parce qu'il y a des bugs, ça n'arrive pas en temps, ils ne sont pas exactement compris sur les specs. Et toi, tu arrives dans ce contexte, tu as une liste de fonctionnalités à faire et tu dis, attendez, je vais me plonger dans le scope, je vais faire des interviews utilisateurs, je vais essayer de me créer ma propre vision, comment ça se décline, et ensuite je vais pouvoir être capable de dire quel est le bon projet à prendre et quelle serait la meilleure solution. Sauf que ça, bah, en fait, ça continue à entretenir la frustration. Et donc, je propose l'approche inverse, qui est de dire, OK, quand vous arrivez, acceptez cette première phase d'être le passe-plat. Vous êtes ce pur passe-plat entre le business et la tech. Vous faites ce pont, vous vous assurez que tout arrive en temps et en heure, avec un bon niveau de qualité, vous faites le suivi, est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas, et du coup, bah, qu'est-ce qu'on fait? Et alors là, c'est exactement ce que Marty Kagan déteste, je dirais, enfin pas déteste, ça n'a rien de personnel, mais ce qu'il va dire, c'est une delivery team, c'est le plus bas niveau de valeur. Ouais, c'est Et ce qui va du combattre pour c'est le principe exactement, c'est ce qu'il va combattre. d'empowerment. Et c'est vrai. Néanmoins, c'est une super première étape pour commencer à fluidifier la situation et créer de la confiance avec tous vos stakeholders. Et de la collaboration, quoi, Et de la ici. collaboration, parce que la collaboration, ça va être le fuel de tout ce que vous allez faire.
Donc si dès le début vous la cassez, en fait vous ne pourrez rien mettre en place. Mais du coup, le but c'est d'aller rapidement vers la deuxième étape. La deuxième étape c'est OK, tu me donnes une solution. Maintenant je vais essayer de comprendre c'est quoi le besoin derrière cette solution. Et du coup, il y a tout ce travail de maïeutique qui est pas toujours évident, surtout quand on est dans des contextes d'urgence, avec des gens qui n'ont pas été habitués à travailler dans ce cadre-là et qui ont l'impression que normalement c'est juste à eux de dicter ce qu'il faut faire. Donc il y a ce Le travail grand de notaire. maïeutique qui n'est pas évident. Ensuite, essayer de se dire, OK, j'ai ta solution en tête, mais regarde, il y a d'autres solutions qui pourraient marcher, et ces solutions, je vais m'assurer qu'elles soient cohérentes par rapport à la stratégie produit et par rapport à l'ensemble de la navigation. Et là, c'est là où on a tous les travaux de discovery, les méthodes type discovery discipline, qui est super là-dessus. Donc, en général, c'est ce qu'on va appeler la discovery à cet endroit. Changer, structurer le besoin pour derrière imaginer les bonnes features ou le bon produit qui va y répondre. Exactement. Le troisième, c'est, OK, maintenant qu'on me donne une solution, je suis capable de revenir aux besoins et de faire la meilleure solution possible, mais est-ce que je suis en train de travailler sur les sujets les plus prometteurs? Donc là, je ne casse rien sur le produit, mais je n'ai pas forcément le meilleur levier. Donc là, l'enjeu, c'est d'arriver à collecter tous les objectifs, tous les contraintes de tous les stakeholders qui gravitent autour de votre scope, arriver à transformer en une vue assez visuelle qui présente l'ensemble, pour ensuite prioriser sur quelles sont les fonctionnalités qui auront le plus d'impact. Et en général, on peut faire un RISE ou même pas, tant qu'on a quelque chose d'assez clair sur l'impact, on peut avoir sa North Star métrique, les grandes dimensions dans lesquelles ça se décline, et ensuite la liste de tous les projets. Rien que ça peut suffire à identifier, OK, en fait, ce sur quoi il faut travailler, c'est ça. Ouais, puis un point qui est fort, je trouve, dans ta phase 1, c'est voilà, d'aligner, d'y aller fort. La phase 2, je trouve, il y a un concept qui est peut-être un legacy culturel où il faut challenger des personnes qui n'ont pas l'habitude qui sont orientées solution et de repartir sur l'orientation besoin. Ma question, c'est sur cette phase 3, est-ce que vous avez eu des difficultés justement à aligner avec la tech? Parce que nous, ce qu'on remarque, que ce soit chez des gros acteurs ou des startups scale-up qui ont gagné en maturité, c'est que la complexité tech, elle a vachement augmenté. Tu vois, le legacy, il est très fort. Et d'ailleurs, même des principes tu vois, d'agilité à l'extrême sont remis en question parce que, bah, on revient un peu sur ce que tu expliquais sur le produit physique, où, vu qu'il y a des existants, bah, si tu veux faire la différence, si tu veux convaincre ton utilisateur, bah, il faut déjà que tu sois au niveau de ce qui est sur le marché. Et j'imagine pour vous, bah, d'un Leroy Merlin ou d'un Amazon, puisque bah, tes utilisateurs pourraient voilà, partir à la concurrence ou sur des produits ou sur des principes un petit peu différents. Est-ce que vous avez affronté ces sujets-là? Parce que nous, c'est quelque chose qu'on remarque chez beaucoup de clients. C'est Attends, je n'ai qu'aujourd'hui, si pas tu veux te compris différencier, exactement la question. bah, tu vois, typiquement, tu es en phase de discovery et tu te dis, bah, tiens, on va partir sur telle et telle nouvelle feature. Bah, par rapport à ton legacy, bah, tu as une logique d'alignement et d'attente entre ton business qui est très pressé et ta tech qui va être plutôt ralentisseur. Voilà, il y a ce jeu d'équilibriste maintenant à avoir, je trouve, de plus en plus, parce que bah, tu ships beaucoup moins de features, beaucoup moins rapidement qu'avant, et pour te différencier en plus, c'est beaucoup plus complexe. Bah, c'est sûr que au moment où tu fais tes roadmaps, tu te rends compte que tu peux en faire moins que si c'était une petite startup où il y a beaucoup moins de travail d'infrastructure derrière et beaucoup moins de travail de legacy. Donc dans l'alignement, en tout cas là où il est plus compliqué, c'est que il y a souvent des retours de je comprends pas, on est de plus en plus nombreux, on a l'impression de pouvoir faire de moins en moins de choses. Et ça, il y a vraiment un travail de pédagogie sur OK, en fait, voilà les ressources qu'on a, voilà les différents projets, et il faut qu'on reste dans ce cadre. Même si ça vous frustre et que vous vous dites, je comprends pas qu'on ne puisse pas en faire plus, en fait, on a des experts côté tech qui nous garantissent que voilà, c'est la bande passante qu'on a. Maintenant, jouons avec ces contraintes. Ok, ouais, très clair. Et d'ailleurs, il y a une question hyper intéressante du coup d'un participant de Thibault qui demande si tu as des signaux qui te permettent d'identifier le passage d'une phase à une autre. En fait, c'est vraiment chronologique et c'est pas sur. Je ne parle pas d'un projet qu'on suit. Je parle d'une phase de maturité en tant que PM. Donc en fait, là où tu le vois, c'est est-ce que sur les sujets sur lesquels tu travailles, c'est à chaque fois des solutions qu'on t'a données de toutes pièces que tu n'as pas pu challenger. Bon, bah là, globalement, tu vas pouvoir dire, je suis globalement en phase 1. Que Et là, je mon enjeu,
C'est, j'ai l'impression de faire des choses, je suis même pas sûr que ce soit bien pour le produit. Ça se peut, je suis en train de péter le produit. Et bah là, il est peut-être temps de passer à la phase 2, justement. Pardon. Phase 1, si maintenant tu as réussi à fluidifier, mais que tu as l'impression de développer que des choses sans savoir si c'est les bonnes, ok, maintenant il est temps de passer à la phase 2. Si à la phase 2, tu dis, ok, je suis content parce que tout ce que je crée sur le site, je trouve que c'est de la qualité et que ça améliore l'expérience. Néanmoins, je ne suis pas convaincu d'être en train de travailler. J'ai rien qui me rassure, en tout cas, sur le fait que je suis en train de travailler sur les projets qui ont le plus d'impact. Et bien là, c'est l'heure de passer à la phase 3. Et du coup, ben, ça me fait ma transition. Ta phase 3 jusqu'à ta phase 4, c'est-à-dire, ok, là, je suis en train de prioriser tous les sujets. Et après, je pense que ce sera la qualité ce que je vais faire. Mais c'est par rapport à tous les échos que j'ai en interne. Mais est-ce que je suis assez ouvert à l'extérieur? Parce que un des pièges, c'est de travailler un peu en chambre et de finir par les infos qu'on a, c'est surtout il y a un tel qui pense que, ou on a fait des études il y a 2 ans et on sert encore de ces chiffres-là. Et là, la phase 4, c'est d'enrichir toute cette compréhension avec une dimension utilisateur beaucoup plus forte. Donc, c'est d'aller se plonger beaucoup plus dans les problèmes utilisateurs pour ensuite les connecter à nos besoins business. Et aussi dans cette phase-là, qui est de nourrir la dimension utilisateur dans ton scope, c'est de réinjecter dans tes North Star métriques des métriques utilisateurs. Typiquement, moi sur un scope qui était l'animation commerciale, la North Star métrique qui permettait de tout prioriser avant, c'était le nombre d'impressions de messages qu'on envoyait sur le site. Sauf que l'impression, en fait, ça ne nous dit pas si le message il a été lu, ça ne nous dit pas si ça a intéressé l'utilisateur, et peut-être ça a pollué son expérience. Ouais, c'est un objectif de moyen, quoi, moins de résultats. Ouais, et du coup, ce qu'on s'est dit, c'est en fait l'utilisateur, ce qui va prouver que ça intéresse vraiment, c'est le taux de clic. Et donc, c'est de se dire, en dessous d'un certain taux de clic, on se dit, c'est pas positif pour l'utilisateur. Et donc, on a transféré notre North Star métrique, qui nous permet aujourd'hui, quand on met des nouveaux sujets dans la roadmap, d'être beaucoup plus aligné sur les intérêts business et utilisateurs. Parce que typiquement, notre advertising, elle allait faire payer à l'impression, et donc elle s'en fichait un peu du taux de clic. Et à partir du moment où on a changé la discussion sur le taux de clic, on s'est rendu compte que, ok, d'un point de vue advertising, même à ISO impression, vous allez pouvoir leur vendre des taux de clic plus importants et avoir des bonus, et en fait, ça va pouvoir servir vos intérêts également. Donc voilà, donc la phase 4, c'est d'enrichir avec une dimension utilisateur plus forte. Et la phase 5, c'est OK, maintenant, au sein de chaque quarter, je suis assez à l'aise. Donc avant, c'était au sein de chaque quarter, je suis assez à l'aise sur les projets que je prends, que c'est les plus importants. Mais maintenant, c'est de se dire, si je veux vraiment arriver à faire quelque chose d'ambitieux, il faut que j'arrive à sortir de cette logique pure quarter par quarter. Et je me dise, OK, à l'échelle d'un an, de 2 ans, qu'est-ce qui serait ouf que j'arrive à construire? Ok, très bien. Maintenant, comment est-ce que j'arrive à mettre certains de ces blocs au sein de la prochaine roadmap pour avoir un mélange de moves tactiques et stratégiques? Et donc, si je reprends un peu, nous, notre moyen d'action en tant qu'équipe produit, c'est de shipper des features ou d'en supprimer. Mais c'est comme parfois, j'ai l'impression, on dit tout est du produit. Non, ce qui est du produit, c'est de faire des choses sur le produit. Parfois, j'entends des choses sur du marketing. On dit, ah, on a l'impression de faire du produit. Non, en fait, c'est comme un humoriste, sa manière, lui, il cherche à rendre les gens heureux, mais son terrain applicatif, c'est les blagues. Nous, notre terrain applicatif, c'est les fonctionnalités. Où en supprimer? Et donc, pour moi, c'est le framework Pulse, c'est de se dire, la première étape, tu essaies de shipper les meilleures fonctionnalités en fonction d'une solution qui t'est imposée. L'étape 2, c'est tu shippes les meilleures fonctionnalités en fonction d'un besoin business qui t'est imposé. La troisième, c'est tu ships les meilleures fonctionnalités par rapport à tous les besoins qu'on a en tête en interne. L'étape 4, c'est maintenant tu es capable de ships les meilleures fonctionnalités par rapport à tous les besoins que tu as sourcés de manière holistique. Et enfin, l'étape 5, c'est être capable de ships les meilleures fonctionnalités avec une vision beaucoup plus ambitieuse parce que tu regardes à plus long terme. Et ça, juste sur un scope feature, parce qu'à long terme, tu pourrais aussi avoir un scope nouveau produit ou retomber du coup dans une logique aussi que tu disais d'innovation, embarquer des nouvelles techno, une nouvelle façon de permettre l'usage, etc. Attends, dans quel sens, pardon?
Tu vois, typiquement, tu te dis, OK, à long terme, tu étais sur un scope futur. Ouais. Est-ce qu'à long terme, tu sors un petit peu du scope futur pour dire, bah là, ça serait l'occasion pour répondre à tel besoin ou tel sujet de lancer une nouvelle typologie de produits digital ou d'embarquer telle nouvelle technologie qui y répondrait? Ouais, pourquoi pas. Là, c'est vrai que l'approche, elle est très orientée PM et comment est-ce que j'arrive à prendre de la valeur dans mon scope. Après, progressivement, en fait, ce qui j'ai l'impression se passe, c'est tu arrives à créer une vision ça embarque les gens, qui est super ambitieuse. Et là, il y a des gens qui disent, OK, mais en fait, cette vision, il faut créer une nouvelle équipe parce que là, tu viens de montrer tellement de potentiel que maintenant, tu viens potentiellement de créer trois équipes. Je ne me prononcerai pas sur le côté si je suis head of product, à quel point est-ce que je peux me servir de cette méthodologie pour moi. En tout cas, ça, c'est plutôt le côté bottom-up. Ok, excellent. Et Et du donc, du coup, coup, après, c'est la fin de la présentation. Là, on peut prendre toutes les questions. Nous, du coup, juste pour dire, nous, on est en train de mettre en place chez ManoMano. C'est encore un peu frais aujourd'hui pour donner vraiment des retours de l'impact. Mais ouais, puis comme on le disait en prépa, Valentin, nous, ça serait chouette. Là, si vous lancez et que des PM appliquent ce framework ou utilisent, d'avoir un peu le retour, ton retour ou leur retour à terme avec ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, si vous itérez sur le modèle. D'ailleurs, ça, c'est une question que je t'ai pas posée. Tu t'imposes aussi de itérer sur Pulse ou. Pourquoi pas? Là, je dois aller. On va voir après les vacances. Déployons et après en voyant. Ouais, non, mais si, enfin, c'est sûr qu'il y aura des itérations. Après, l'investissement que je vais mettre sur la nouvelle phase, ça, je sais pas encore. Ok, top, top. En tout cas, bah, déjà, avant toute chose, merci beaucoup hein, pour ton intervention. Il nous reste quelques minutes avant la fin. Là, je vois depuis la dernière minute quelques petites personnes qui sont parties, mais il reste encore pas mal de monde sur le live. Si vous avez des questions suite à cette présentation et cet échange avec Valentin, nous les prenons avec grand plaisir. C'est l'occasion d'y répondre. En attendant que ça arrive peut-être, voilà, de sujet, de nouveau, un grand merci à Valentin pour toutes ces explications et cette vision que je partage. On a une vision aussi assez pragmatique et assez équilibrée entre business, tech et produit. Et j'aime bien ta triade là-dessus, c'est inspirant. Et je trouve ça chouette d'y avoir répondu par un modèle qui permet peut-être de justement bien définir et cadrer un poste de product dans cet environnement. Donc, merci beaucoup pour cette participation. Tiens, une petite question, on va la prendre parce que c'est quand même ma priorité. Thibaut, de nouveau, merci. Est-ce que ce framework doit être partagé avec toutes les équipes, tech, business, etc.? Je pense que la valeur qu'il a à être partagée, c'est le premier point, c'est que vos interlocuteurs business jouent dans votre jeu. C'est qu'ils se rendent compte que vous pouvez apporter plus que juste être le passe-plat. Je pense que c'est principalement ça. De un, pour qu'ils comprennent les frustrations que vous pouvez avoir. Parce que parfois, ils les comprennent juste pas et ils se disent. Il veut faire. Est-ce que il a, est-ce qu'il veut faire mon métier? En fait, quand je ou, parfois c'est mal compris le côté. J'ai l'impression de pas avoir le droit de proposer des solutions, qu'on me bride, qu'on veut pas que je participe à la discussion en tant que business owner. Je pense que partager ça permet de clarifier. Attends, voilà pourquoi j'ai des frustrations. Et aussi, voilà en fait sur quoi tu pourrais attendre beaucoup plus de moi et que tu sois promoteur de ces nouvelles pratiques plus que à jouer de l'autre côté. Ok, top, merci. Deuxième petit message pour vous dire que du coup la saison des bourbiers s'arrête cette fin de mois de juillet et reprendra en septembre. Tu as beaucoup de félicitations et de remerciements hein, d'ailleurs, Merci. Nicolas, Chloé, Thibault. T'es félicité de toutes parts, Valentin. Donc un grand merci. Tiens, on a une petite question pour la fin et évidemment.
Je te laisserai aussi peut-être partager un mot pour la fin si tu en as envie. On va aussi vous faire partager un sondage, parce que je vois qu'il y a encore pas mal de participants. Merci d'y répondre, ça nous permet d'évoluer, nous aussi, d'itérer, d'améliorer le, c'est pas du produit, mais au moins le cadre dans lequel on opère ces lives et cette démarche plutôt d'évangélisation et de partage. Une question de Marie-Amélie, comme il s'agit plus d'un framework bottom-up, y a-t-il une évolution de ce framework pour une vision plus large, à destination des head of product ou des CPO? Et sinon, est-ce prévu? Alors, je ne sais pas si ça répond exactement à la question, mais donc, il n'y a pas d'évolution prévue pour toucher cette audience, en tout cas. Néanmoins, là où elle peut déjà être utile, c'est typiquement pour faire un audit de ces différentes équipes. Et se dire, OK, par exemple, sur mon groupe, j'ai 10 FT. J'ai l'impression que chacune, elle est à quel niveau? Elle a à être au niveau 2. C'est plutôt qu'elle lit ce qu'elle sort, à chaque fois elle creuse bien le sujet, mais par contre, elle a du mal à justifier pourquoi tel sujet plutôt qu'un autre. Ok, bon, bah, il va falloir l'accompagner au niveau 3. Et de faire un peu, du coup, un mapping de maturité de toutes les équipes, mais aussi un mapping de maturité des product managers. Est-ce que ce product manager, il a déjà réussi à faire passer une équipe de tel niveau à tel niveau? Et le plus dur, c'est pas forcément passer de niveau 4 à niveau 5. Le niveau 1 à niveau 2, il est extrêmement dur. Quand on est avec des interlocuteurs business beaucoup plus seniors que soi, qui ont eu l'habitude de travailler avec juste des Top-down. project managers en phase 2, en fait, il faut mettre quelqu'un d'assez expérimenté pour arriver à faire passer à l'étape suivante. Donc c'est plus dans ce sens-là, avoir une vision holistique, s'en servir pour potentiellement faire la grille de progression des product managers. Et pour arriver à être lucide sur quel profil mettre en face de quel FT. Ok, c'est top. On a un peu la pyramide d'évolution, la pyramide presque de Maslow, peut-être demain, des PM et du coup des feature teams par effet miroir. Excellent, excellent. Merci beaucoup, Valentin, en tout cas pour tout ça. Et c'était très enrichissant et très inspirant, je pense, pour tout le monde. Ça change un peu des éléments top-down et très macro. C'était plutôt bottom-up, effectivement, et plus à l'échelle du PM ou de l'équipe. Donc très chouette. Je sais pas si tu as un petit mot. Sinon, évidemment, je vais souhaiter à tout le monde de belles vacances et à toi en premier lieu si tu pars cet été. Ah bah écoutez, si vous avez d'autres questions, avec plaisir pour y répondre. Vous pouvez sur mon Medium où vous aurez les articles, où là du coup ça va beaucoup plus en profondeur si vous êtes intéressé. Et pareil, vous pouvez poser des questions directement sur les articles. Bah voilà, ça m'intéresse de. On parlait d'itération, c'est souvent comme ça que ça s'améliore. Du coup, c'est sur ton médium. On sera preneur de ton lien, on l'ajoutera aussi. Du coup, Ok. c'est intéressant pour l'envoyer pour que si personne veut le creuser. Trop bien. Bon, bah merci. Merci à toi et du coup, de belles vacances et un bon jeudi après-midi. Salut, merci Salut beaucoup. Valentin. Merci beaucoup. Bye Au bye. revoir. Merci à tous. Au revoir.